Et puis, je travaille sur l'initiative Canada sans faim. Cette initiative vise à alléger le fardeau sur nos familles lors des déménagements à travers les différentes provinces et territoires au Canada. Donc, quand on parle de défis associés au déménagement, on parle des défis auxquels font face nos familles par rapport aux soins de la santé, l'accès aux garderies, aussi pour le travail des époux, épouses, des défis qui sont associés à ça. Donc, on vise à essayer d'alléger ce fardeau-là en travaillant avec les provinces et les territoires à trouver des solutions à ces problèmes-là. I've experienced being posted from different provinces, the benefits. An example I have is one province I was posted to with my family. Of course, you don't get a doctor right away. And through the initiative, we got a family doctor in under a year, which was great. On the opposite side of that, especially in my role here at 403, I have noticed that varying in the provinces, you don't always get that advantage. Par exemple, il y avait une attente dans la plupart des provinces et territoires pour avoir accès aux soins de la santé, une attente de 90 jours qui maintenant n'existe plus. Donc, les familles n'ont pas besoin d'attendre cette période-là. Donc, c'est ce qu'on fait là avec l'initiative Canada sans faim. I have two young children. I'm part of a service couple. My spouse is in the armed forces as well. My kids are in daycare, they're daycare aged, and in moving to Valcartier, it was a huge struggle to find childcare. Took my wife, she applied to over 30 different daycares, and we got a positive response from one. La deuxième problématique qu'on va se pencher, c'est sur l'accès aux garderies et aux centres de la petite enfance. Donc, encore là, on demande à nos gens de se déplacer, d'être mobiles. Puis, l'accès aux garderies est problématique, où les listes d'attente sont énormes, puis on n'a pas nécessairement accès, ce qui empêche, entre autres, nos conjoints-conjointes d'avoir des emplois, parce qu'ils s'occupent des enfants à la maison. Donc, c'est un problème un peu complexe qu'on essaie de régler, mais les priorités pour Canada sans faille, soins de santé, emploi des conjoints-conjointes et l'accès aux garderies.